Je suis Anne Longuet-Marx, la fille des deux sculpteurs, Karl-Jean Longuet et Simone Boisec, et maître de conférence à l'Université de Paris 13. Boisec parle des bras de l'arbre. C'est un personnage, c'est un être vivant. Je suis à côté de l'arbre, qui est une sculpture de 52, qu'elle a commencé à faire en terre cuite. Elle a commencé comme céramiste et au départ, c'était donc du modelage et des terres qui étaient cuites. Ici, c'est un bronze d'après la terre cuite. Et ce qui, évidemment, est très frappant et très caractéristique dans ces arbres et également dans la forêt qui a succédé immédiatement à l'arbre, c'est ce rythme de croix et au fond de calvaire breton qui l'ont marqué énormément dans sa jeunesse. Elle a vécu à Alger, mais elle passait ses étés dans le golfe du Morbihan, à Vannes, et les calvaires bretons l'ont énormément frappée par ce rythme de croix qu'elle a repris en fait de manière inconsciente dans ses premières sculptures de ce qu'on a appelé la période sauvage. Et ce thème de la croix était également très présent du fait que son père, qui était très mystique, poète, mais aussi sculpteur, comme Ingres faisait du violon, il sculptait des croix en bois ou parfois en cuivre et qui étaient un peu partout dans l'appartement à Alger. Et donc ma mère disait avoir eu très souvent ce rythme très présent autour d'elle déjà dans l'enfance. Le rapport au dessin de Simone Boisec est très particulier. Très souvent, les sculpteurs font des esquisses pour chercher un volume. Elle, à l'inverse, travaillait essentiellement directement la terre, sans travail préalable du dessin. Par contre, ces dessins qui survenaient très souvent 10 ans, 20 ans, 30 ans, voire 50 ans après la sculpture, était une manière, disait-elle, pour elle, de vérifier la présence de la sculpture sur le papier et de réenvisager, au fond, ce volume par ce travail du crayon d'abord et ensuite de l'encre de Chine. Et ici, nous avons deux exemples, l'arbre et la forêt. Il y a eu toute une série de forêts, donc il y en a ici une sur un fond très sombre, qui sont des exemples de ce qu'elle a recherché dans le dessin, c'est-à-dire une présence. Le thème de l'arbre est évidemment très intéressant parce que c'est un rythme avec cette verticale et ces horizontales avec les branches qui finalement lui faisait penser à un personnage. Pour elle, l'arbre, ce n'est pas seulement une présence dans la nature, mais c'est aussi un personnage avec ses bras, c'est une présence. Et on retrouvera ce caractère de manière très différente dans l'œuvre de Longuet, mais avec également un intérêt très appuyé pour tout ce qui est rythme, vertical, horizontal, qu'on retrouvera notamment beaucoup dans les dessins de Longuet. Il y a beaucoup d'arbres dans l'œuvre de Karl-Jean Longuet. Ça commence très tôt, d'abord parce qu'il a commencé par peindre, adolescent, et que, évidemment, c'était un rapport au paysage, d'abord. Et donc, les paysages, avec ses rythmes des arbres et des branches, est quelque chose qui a été, au fond, son entrée dans la peinture. Et puis ensuite, les arbres sont devenus pour lui aussi des symboles de verticalité, debout. Et il en a décliné, au fond, toute une série. Je commencerai par celui-là, qui est très intéressant, l'arbre aux enfants, qui se trouve maintenant à Limoges en pierre. Cette pierre que vous voyez ici sur la photo, dans un lycée, et dont le plâtre original, qui fait 3 mètres, se trouve au musée des Beaux-Arts de Poitiers. C'est une sculpture de la fin des années 50. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir des formes qui sont comme des personnages qui grimpent
sur une structure qui serait l'arbre. Mais évidemment, si on regarde la sculpture de plus loin, on voit surtout des rythmes. C'est une sculpture qui est vraiment une sculpture de passage entre une figuration très interprétée, très symbolisée, et déjà une sculpture qui serait presque non figurative. Donc cet arbre aux enfants est une œuvre, je dirais, pivot. La sculpture qu'il a faite à la fin de sa vie, l'hommage à Allende, est une sculpture qui est très inspirée, là aussi, par l'arbre. Une grande présence verticale avec deux branches qui partent chacune dans deux directions, comme deux bras, qui évoquent un personnage debout et comme foudroyé. Évidemment, ça rappelle la fin de Allende, qui est mort brutalement en 1973. Et cette mort, évidemment, a beaucoup frappé mon père. Et cet hommage à Allende évoque l'idée d'un personnage qui meurt debout, comme foudroyé, mais les deux bras en signe de victoire.